Bonjour les tricopines et bienvenue sur ma chaîne YouTube Les Petites Mailles de Marie. Si c'est votre première visite, pensez à vous abonner. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à tricoter le point tressage en osier. Regardez, il rappelle vraiment le tressage des paniers. Il est vraiment très très joli avec son effet relief. Je vous montre le dos du point. Donc c'est un point qui se tricote sur un nombre de mailles multiple de 8 plus 2 mailles lisières sur 12 rangs. Pour mon explication, j'ai monté 18 mailles, 8 x 2, 16 plus 2. Donc pour le premier rang, nous allons faire une maille lisière, puis la séquence de points à répéter, ce sera 2 mailles envers, 3 mailles en droit, 3 mailles envers. Donc 2 mailles envers, 3 mailles en droit, 3 mailles envers. Je vous répète la section, donc ça c'est ma maille lisière, 2 mailles envers, 3 mailles en droit, 3 mailles envers. Donc on recommence une autre fois, 2 mailles envers, 3 mailles en droit, 3 mailles envers. Et ma maille lisière. Pour le deuxième rang, la section à répéter, ce sera 3 mailles en droit, 3 mailles envers, 2 mailles en droit. Donc ma première maille, c'est toujours ma maille lisière. Donc nous commençons la section à répéter, 3 mailles en droit, 3 mailles envers, 2 mailles en droit, 2. Et voilà la section à répéter. Donc 3 mailles en droit, 3 mailles envers, 2 mailles en droit. On recommence, 3 mailles en droit, 3 mailles envers, 2 mailles en droit, 2. Et ma maille lisière. Pour le troisième rang, la section à répéter, ce sera 2 mailles envers, 3 mailles en droit, 3 mailles envers. C'est la même section que le premier rang. Donc une maille lisière. On commence notre section à répéter. Donc 2 mailles envers, 3 mailles en droit, 3 mailles envers. Donc je vous répète la section. 2 mailles envers, 3 mailles en droit, 3 mailles envers. On recommence. 2 mailles envers,
3 mailles en droit. Trois mailles envers. Et ma maille lisière. Pour le quatrième rang, la section à répéter, ce sera 3 mailles en droit, 3 mailles envers, 2 mailles en droit. C'est pareil que le deuxième rang. Donc on commence, une maille lisière, 3 mailles en droit, 3 mailles envers, 2 mailles en droit, 3 mailles envers. Donc je vous répète la section à répéter pour ce quatrième rang. 3 mailles en droit, 3 mailles envers, 2 mailles en droit. On recommence. 3 mailles en droit, 3 mailles envers, 2 mailles en droit. Et ma maille lisière. Pour le cinquième rang, la section à répéter, ce sera une maille en droit, un jeté, deux mailles ensemble, une maille en droit, un surjet simple, un jeté, deux mailles en droit. Donc, toujours pareil, ma maille lisière. Donc, la section à répéter, une maille en droit, un jeté, deux mailles à l'endroit ensemble, une maille en droit, un surjet simple, donc je glisse ma maille. Je tricote la suivante et je fais passer ma maille glissée par-dessus ma maille tricotée. Un jeté, deux mailles en droit. Donc je vous répète la section à répéter. Une maille en droit, un jeté, deux mailles ensemble, une maille en droit, un surjet simple. Un jeté, deux mailles en droit. Donc on recommence, une maille en droit, un jeté, deux mailles ensemble à l'endroit, une maille en droit, un surjet simple, un jeté, deux mailles en droit et ma maille lisière. Pour le sixième rang, toutes les mailles se tricotent à l'envers. Pour le septième rang, la section à répéter, ce sera une maille en droit, 5 mailles envers, 2 mailles en droit. Donc ma maille lisière, une maille en droit, 5 mailles envers, 2 mailles en droit.
Donc la section qu'on a répétée, une maille en droit, 5 mailles envers, 2 mailles en droit. Donc on recommence, une maille en droit, 5 mailles envers, 2 mailles en droit. Et ma maille lisière. Pour le huitième rang, la section à répéter, ce sera 2 mailles envers, 5 mailles en droit, une maille envers. Donc une maille lisière, 2 mailles envers, 5 mailles en droit, une maille envers, donc la section qu'on vient de répéter, 2 mailles envers, 5 mailles en droit, une maille envers. On recommence, 2 mailles envers, 5 mailles en droit, une maille envers et ma maille lisière. Pour le neuvième rang, la section à répéter, ce sera une maille en droit, 5 mailles envers, 2 mailles en droit. C'est comme le septième rang. Donc une maille lisière, 1 maille en droit, 5 mailles envers, 2 mailles en droit, donc la section que nous venons de répéter, une maille en droit, 5 mailles envers, 2 mailles en droit. On recommence une fois, une maille en droit, 5 mailles envers, 2 mailles en droit et ma maille lisière. Pour le dixième rang, la section à répéter, ce sera 2 mailles envers, 5 mailles en droit, 1 maille envers. C'est comme le huitième rang. Donc une maille lisière, 2 mailles envers, 5 mailles en droit, une maille envers. Donc la section que nous venons de répéter, 2 mailles envers, 5 mailles en droit, 1 maille envers. On recommence, 2 mailles envers, 5 mailles en droit, 1 maille envers et ma maille lisière. Pour le onzième rang,
La section de mailles à répéter, ce sera un surjet simple, un jeté, 3 mailles en droit, un jeté, 2 mailles ensemble, une maille en droit. Donc on commence. Une maille lisière. Un surjet simple. Un jeté, 3 mailles en droit, un jeté, 2 mailles ensemble à l'endroit, une maille en droit. Donc la section de points que nous venons de répéter. Un surjet simple, un jeté, 3 mailles en droit, un jeté, 2 mailles ensemble à l'endroit et une maille en droit. Donc on recommence. Un surjet simple, un jeté, 3 mailles en droit. Un jeté, 2 mailles ensemble à l'endroit, j'ai mal piqué, une maille en droit et ma maille lisière. Pour le 12e et dernier rang, toutes les mailles se tricotent à l'envers. Et voilà, vous venez d'apprendre à tricoter le point tressage en osier. Donc moi j'avais fait déjà 12 rangs, donc voilà, avec les 12 rangs qu'on a tricotés ensemble, voilà ce que ça donne. Je vous rappelle que vous pouvez trouver le tuto écrit du point tressage en osier, ainsi que des tutos inédits sur mon blog Les Petites Mailles de Marie. Je vous mets le lien dans la description. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter, à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner en activant la cloche. À bientôt pour de nouvelles vidéos.